Move. Salut, c'est Max pour Move 13 Actu. Aujourd'hui, 5 choses à savoir avant d'aller voir Taxi 5. Allez, tu me diras ! Allez, accroche-toi. Ah bah non. Le premier Taxi, celui de 1998, a été écrit par Luc Besson. Besson a eu l'idée le jour où il s'est retrouvé coincé à l'arrière d'un taxi dans un embouteillage. Il s'est alors demandé quel genre de voiture pourrait le sortir de là. Logiquement, Taxi 5 est le 1, 2, 3, 4, 5e épisode de Taxi. Faux. Archi faux. Enfin, pas tout à fait vrai, ni pas tout à fait faux non plus. Explication. Il y a bien 5 épisodes de Taxi, mais il y a aussi un remake américain sorti en 2004. Ça s'appelle New York Taxi, c'est avec Queen Latifah et Jimmy Fallon. Et c'est donc le remake du tout premier Taxi sorti en France en 98. Ils sont forts ces Américains. Taxi, c'est aussi une série télé lancée en 2014. Ça s'appelle Taxi Brooklyn. Encore une adaptation américaine qui se passe à New York. C'est vraiment pas ouf. Il n'y a eu qu'une seule saison. La prod a décidé de jeter l'éponge après. Et tant mieux. Il y a aussi des adaptations jeux vidéo de Taxi 2 et Taxi 3, dont la qualité va du très nul au totalement raté, en passant par le « Non mais là c'est pas possible, faut arrêter hein ». Bon, si votre truc c'est quand même de conduire des taxis dans du jeu vidéo, il y a toujours GTA et Crazy Taxi, évidemment les classiques. Taxi 5 est le troisième film de Frank Gastambide après les Kaira et Pattaya. Avant ça, Frank était dresseur d'animaux, caméraman ou encore réalisateur et acteur de sa série Kaira Shopping. Malik Bentala a quant à lui commencé au Jamel Comedy Club avant de passer au cinéma. Au total, la saga Taxi cumule plus de 30 millions d'entrées au cinéma. Pas mal pour une petite idée qui est partie dans l'embouteillage. Tu es connecté sur Move.